Bonjour. Bonjour, merci d'avoir cliqué, c'est un très bon investissement. Allez, allez. Non, en vrai, si. Non. Enfin, il coûte pas cher. Bon, c'est pas les vidéos à trois. On n'était pas trois de base. Non, il y en a un qui est... Un qui a des cheveux longs et blonds. Mais non, en fait, parce que je suis caché. De toutes les vidéos, je vous ai jamais vu autant surjouer. Ouais, c'est vrai. Jamais. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans l'épisode 2 de Camouflage Challenge. Le concept est très simple. Nous avons chacun créé un décor. Nous nous sommes cachés à l'intérieur. Les autres ne sont pas au courant ni de notre décor, ni de où est-ce qu'on est caché. Et vous allez jouer avec nous parce qu'on vous laissera la chance de trouver la personne qui est cachée en vous laissant un espèce de plan fixe comme ça pour dire tiens, Yvan est dans ce buisson. Merde. Etienne est à l'intérieur de cette personne. Les règles sont simples. Le moment où on va découvrir un décor, on aura dans un premier temps 10 secondes pour juste découvrir ce décor. Ensuite, on va débrief sur ce qu'on a vu. Ensuite, on aura une deuxième phase où on va pouvoir l'observer pendant 2 minutes. Et si on n'a toujours pas trouvé, on pourra aller directement dans le décor, l'explorer pour finir peut-être par trouver la personne. Pour l'instant, ce n'est jamais arrivé qu'on ne trouve jamais la personne. Enfin, toi, je t'avais oublié, je pensais qu'on t'avait laissé dans le décor la dernière fois. Extrêmement perturbant. Quand t'as surgi, j'étais étonné de te revoir. Ah, je pensais que t'avais c'était resté. Bah, je sais. Cette vidéo est sponsorisée par un partenaire incroyable qui pop comme ça dans l'écran. Il s'agit de Aerop. Il y a une logique, c'est la saveur d'un soda qui est camouflée dans de l'eau. Oh. Non, plus ou moins. Elle n'est pas camouflée parce qu'elle est très présente en bouche. Très présente. Déjà, nouvelle gourde Aerop de 850 ml, mon pote, pour les grosses soifs. Alors, j'ai ici les petits pods. Et je sais qu'ils vont. T'es plutôt intéressé par le pod coco. Coca. Aerop, qu'est-ce que c'est? C'est une gourde dans laquelle vous pouvez mettre de l'eau plate ou de l'eau pétillante. Vous allez pouvoir mettre des pods et grâce à la rétro-olfaction, c'est-à-dire la capacité de sentir des odeurs avec votre bouche, ça va permettre de mindfuck votre cerveau, de ressentir un goût alors qu'en fait vous ne buvez que de l'eau, sans additifs, sans calories, sans sucre. Enfin vraiment, c'est vraiment stylé. Et du coup, il y a tous ces goûts-là, voilà, qui s'affichent à l'écran. Voilà, ça c'est la nouvelle gourde et ça c'est un gars heureux. Bah regarde, sans rien que l'odeur, sans. Ça sent attends, la coconette, j'adore hein. Le coco en plus. Ils vont tout de suite fermer les yeux. Uh-huh. T'es à Angers ou à Copacabana? Il hésite. Copacabana. C'est ça, Aerop. En achetant Aerop, vous aussi voyagez à Copacabana grâce au petit code qui s'affiche à l'écran AmixMap qui vous permet d'avoir moins 10% jusqu'au 2 mai 2023 sur le site Aerop. Merci infiniment, Aerop, d'avoir sponsorisé ce contenu. On passe tout de suite à la première cachette. Il s'agit de Thomas. Alors, allez, envoyez-moi vers ma première cachette. On va faire quoi, t'as dit quoi? Bah, vous me jetez vers ma première cachette. Ah oui, pardon. 3, 2, 1, hop là. Faire un peu super héros du football, j'aime bien l'idée. Du coup, sans vous spoiler la cachette, j'ai vu un petit peu les préparations. Il y a un public, c'est parfait. Bon, vous connaissez l'individu, il s'en fout d'être bien caché. Non, clair. Lui, ce qu'il veut, c'est juste faire une bonne blague. Mais des fois, le combo est intéressant. Oui, c'est vrai que la dernière fois, c'était pas mal. Je suis caché. Ah, il est caché. Est-ce qu'il y a un truc qui vous a frappé ce matin en arrivant au lieu de tournage là? Sur le parking, il y a beaucoup trop de voitures. Oui. Ah oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Moi, j'ai même envoyé un message à Justine qui gère un peu tout. Ah, t'as demandé quand même. J'ai dit, mais pourquoi il y a autant de voitures? Normalement, on est quatre. Elle t'a répondu ou pas? Elle m'a dit, ni, ni, ni. Bon, je crois qu'on a la réponse. Je pense qu'elle a peut-être tempo. Bon, bah, c'est parti alors. 3, 2, 1. Oui, allez, on a 10 secondes. C'est chaud, j'ai mis au dernier moment. D'où les bagnoles. Vous m'avez trouvé ou pas? Bah non, mais on commence à avoir des idées. Et là, pendant 2 minutes, ça va se rouvrir. Oh non, ça non, va non, être non, horrible. Non. Et toi, t'as des problèmes d'acouphène. Oui, bah, oui, bah, je te connais. Au point de vue sonore, on dirait qu'il est sur la tribune, mais je pense, il faut qu'il est visible normalement. T'as scanné tous les visages, on a quasiment eu le temps d'avoir scanné les visages. J'ai tous regardé au cas où. Il y en a un qui lui ressemble vraiment. Oui, beaucoup. Non, mais d'accord, mais toujours. Alors, mais il s'appelle Fabou. Voilà. Moi, j'en ai détecté un. En fait, il avait une capuche de chauve. Donc c'est un faux chauve. Ouais. Ok. Mais attends, mais tu fais bien de préciser ça, Yvan. Comme toutes les vannes de Thomas sont basées sur le fait qu'il faut avoir des figurants chauves qui lui ressemblent dans toutes les vidéos, extrait. T'es un putain de génie. Vous avez fait comment pour choper un deuxième chauve? Je raconterai tout. Bah du coup, à la fin, il y a plus de chauves qui ressemblent à Thomas en France. On est obligé d'acheter des costumes. Attends, parce que j'en ai déjà vu un qu'on a vu la semaine dernière. Ah oui, c'est sûr, il y a du recyclage de chauves. Évidemment. Bon, les gars, 2 minutes. Oh. Ensuite, ça se refermera et ensuite, on pourra aller carrément à l'intérieur des chauves. Faites gaffe, il y a des pancartes en bas. Okay. Donc là, il va y avoir des nouveaux éléments visuels qui vont nous faire gaulerie, je pense. 3, 2, 1, go. Oh non, bon. Bah, oh non, ils font la gueule. Thank you.
Mais ils sont pas tous chauves, hein. Regarde, ils sont... C'est hilarant, ah ouais, ça me casse les couilles. Mais il est visible, là? Bah, je pense qu'il est dessous. Il est sous la tribune, peut-être, ouais. Ah, il y en a d'autres qu'on a déjà vu aussi. Merde! Attends, pourquoi il y en a un qui est pas chaud? Mais il y en a plein qui... Quel égo! Mais quel égo! Je vois rien! Regardez l'acting du gars. Ils ont été briefés pour faire comme s'ils regardaient un match. Non, mais ils leur donnent... Ils s'en battent les couilles de nous. Ils s'en battent les couilles de nous. Là, il va y avoir un but. Ils vont se lever. Ils ont des séquences apprises à l'avance. Mais en fait, tu vois, ça, l'info part de là-haut. Ouais. Là, parce qu'il doit donner l'info en direct. Hein, et du coup, après, ça suit derrière. Mais attends, non seulement il y a une pénurie. Ah, ouais, c'est parti de là-haut. Donc, il est dessous là-bas. Ah, il fait que j'ai fait genre. Il est pas dans le décor. Il est pas visible. Normalement, il doit être visible. Après, il base toujours ça sur une bonne vanne. Ouais, une bonne vanne et les règles, ils sont pas les couilles, quoi. On se rappelle la fois où on a fait un cache-cache dans une villa qui était cachée hors zone. Zut, je suis trouvé. Soit il te pissait dessus, soit te crachait dessus. C'est vrai. Bon, on a coupé des séquences au montage, mais j'étais chafouinos. Putain, j'ai aucune idée. Il est sous la tribune, c'est tout. Il est en train de se remplacer par un. Ah, il est chiant. Je suis désolé, j'en suis sûr, c'est ça. Il est chiant. J'ai quand même une théorie qui serait incroyable, mais non seulement il y a une pénurie de chauves, parce qu'on a vu qu'il y a des gens qui ne sont pas chauves. Ouais. Mais en plus, il y a une pénurie de trucs pour faire croire que t'es chauve. Oui, parce que tous les non-chauves n'en ont pas. C'est vraiment la cata. La preuve, demandé dans le brief, venez avec votre calvas. Il y en a qui ont oublié, visiblement. Est-ce que c'est pas une vanne intentionnelle? Est-ce qu'il serait pas déguisé en un mec pas chauve? Et du coup, on l'a complètement skip. Oh non. Moi, j'ai pas trop eu le temps de regarder les mecs non-chauves. C'est vrai que je me suis pas focus dessus, t'as raison. Mais moi, quand j'ai vu le gars à droite, là, il était tout timide et regardait comme ça. Je me suis dit, c'est pas Thomas, quand même. C'est rien à voir avec lui. Vraiment, rien à voir. Je suis hyper premier degré, mais en point de vue temps de maquillage, il a pas eu le temps. Mais par contre, c'est une super idée ce que t'as eu. Mais je suis sûr qu'il s'est remplacé. Bon, c'est bah... Mais non, mais j'ai depuis le début, mais pas vu. Et quel égo, putain. Oh là là. Bon, il y a un spectacle dans toute la France, mais quand même. Ouvrez les rideaux, s'il vous plaît, pour la troisième phase. S'il est là, j'en ai marre. Il y a un gars qui a un masque de Mbappé. Ouais, mais c'est pas lui. Et c'est pas lui non plus. Attends, je peux inspecter chaque type quand même. Même avec du maquillage, c'est pas les mêmes types, quoi. T'as toi quand même. T'es un Thomas de beurre. Il y a une lettre. Thomas de beurre. C'est un truc de fou. Tu sais que je pourrais. Enfin, je pourrais douter. En fait, t'es juste bien déguisé, quoi. Ah, mais en fait, c'était Thomas de Zeur. Ah, putain, tu m'as fait peur, hein. Est-ce qu'il faut soulever les chauves un par un jusqu'à ce qu'on trouve le. Non, mais moi, j'ai envie d'aller regarder derrière. On va regarder derrière. On monte derrière, là, ou c'est un peu tricky, là? Bah, de toute façon, là, maintenant, on peut. Hein. Bah, oui. Oh, l'enculé. Il est censé être entre deux personnes. Oh, oh non. Il est sous forme d'accoudoir ballon. Ah, c'est vraiment le ballon jaune, là? C'est le ballon jaune, là, vraiment? Ah, c'est le ballon jaune. Oh, enculé. Regarde, t'es prêt, prêt à bouger tout là? Oh, pardon, mais est-ce qu'on peut parler de ce super-héros qui va faire son entrée, là? Qui est ce type? La mascotte de la Coupe du Monde 2028 en Estonie. En Estonie. On dirait un mauvais costume de la guêpe aussi, ça marche aussi. Bah alors, vous avez pas trouvé? Ah bah non. Très vite fait, ta tête sur Waka Waka, vite fait. Thomas! Je voudrais remercier à la prod qui rend tout ça possible. Merci beaucoup. Parce que moi, depuis ce matin, je jubile. Je les entends répéter, je les entends gueuler mon nom, tu vois. Tu sais que c'est comme les objets Instagram, tu ramènes à la maison, c'est cadeau. Donc on rappelle que Thomas est quand même fan du RC Lens. Ah oui. C'est un peu les mêmes couleurs. Ouais, bah après, on m'a demandé les couleurs, j'ai dit rouge et jaune. Ouais, oui, évidemment. Bien sûr. Mais est-ce qu'on te voyait vraiment là? Bah ouais. Vas-y, remets-toi, parce que là, il y a. On voit le ballon. Là, il y a. Non, mais il y a des gens qui jouent sérieux. Je suis d'accord. On voit le ballon, mais on voit jamais aucune partie de son corps. Non, oui. Ouais, c'est vrai qu'on aurait pu quand même. Un peu. Ouais, mettez-vous debout, faites la fête. Il était en bas. Ah ouais, alors là, c'est nickel. Séquence suivante. C'est un peu plus simple que la dernière fois en termes de maquillage. La dernière fois, on le rappelle, on a collé du faux gazon sur tout le visage. Franchement, je pense que ça peut durer jusqu'à la troisième partie où il se déplace dans le décor. Parfait.
ferme les yeux, on se met face au décor. Ça me dit vaguement quelque chose, cette histoire de monter. Du bruit et du côté où ton oreille interne te dit qu'on est monté de 3 mètres. Ouais, mais c'est exactement le même endroit, je dis. Oui, c'est pas un labyrinthe. Bon, putain, ta voix était tellement claire. Ne parle pas parce que c'est très localisable. Et je pense qu'on va le trouver là en 10 secondes. Bah oui, du coup, oui. Parce que, attendez, on a été enfermé par la prod et d'ailleurs, on n'a même pas été nourri pendant une trentaine de minutes depuis le FC Chauve là. On va trouver le gars en 9 secondes. Bah, moi, je vais regarder par là, c'est pas pour vous. Ouais, mais à gauche, hein. Alors, on va tous montrer. Moi, je pointe l'index. Ouais, on garde l'index. 2, 1, 2. Bâtard. Oh, le bâtard. Bah, elle est dans le sable. Ouais, bah, ah, je pense que c'est ça. Ouais, je pense que c'est ça. Putain. Et à ses deux yeux. Ouais, j'ai bon, j'ai trouvé. Oh, oh le bâtard. Mais t'es trop fort. Je me suis fait opérer des yeux, j'ai 15e à cet oeil-là. Et j'ai regardé avec que cet oeil-là et je l'ai trouvé. Mais c'est pas mal, c'est sympa. Ouais. Qu'est-ce que je peux vous dire sans vous donner d'indices? Si c'était dans la vraie vie, ça peut générer une situation où faut pas que ça aille sur Twitter. Où ton nez peut sentir le cucu. Allez, ok. Attendez, fermez les yeux. Allez, bah, moi j'ouvre les yeux, c'est bon, je l'ai. 3, 2, 1. Quoi? Il est dans le calbut d'un type? Attends, quoi? Vous l'avez pas? Non. Il y a très peu d'ambiance sur cette plage. Attends, mais quoi? Regarde, regarde l'ambiance au bar là-bas. J'ai cru que c'était un pote à moi, j'ai badé. Mais c'est un truc de ouf, hein! Attends, c'est bien fait. Moi, alors pour le coup, j'ai vraiment 2/10. Bah non, puis il a vu ses yeux et tout, hein. Attends, pourquoi tu l'as vu, toi? Je peux prendre ta place? Vas-y, pourquoi vas-y, tu l'as vu de ta place? Mais ça change rien, je suis au même endroit que lui. Bah pour moi, on voit mieux de ta place. De ma place? Ah, je suis d'accord. Donc je vois où il est. Je suis d'accord. Ah putain, alors c'est moi qui vois pas. Ouh là là, t'as tes mains sur mes hanches là. Sous le mec qui a le air up. Mais, c'est ce que je regardais, mais je vois pas. Dessous. Bah non, non, y'a rien. Est-ce qu'on cherche pas un peu trop dans le sable? En tout cas, je comprends pourquoi il a bu une air up noix de coco. Oui, c'est marrant, le lien est fait. Hein. Il a voulu se mettre dans l'ambiance quoi. La meuf qui est assise au bar, elle est pas dans le bar. Il serait dans le bar. Putain! Mais ça rend fou hein! Il a vu son nez, ses yeux en plus. On va pas le trouver! Premier degré, vous rigolez ou pas? Non, on voit pas. C'est génial. Non, on voit vraiment pas, c'est fou. C'est facile quoi. C'est facile. Quel bâtard! C'était pas le même avant. À l'autre vidéo, je m'étais pas encore fait pérer des yeux. C'est vrai que t'étais pas désagréable sur les questions de vision. C'est bon, putain, je l'ai eu. Tu viens de l'avoir? Je crois que je l'ai eu au dernier moment. Je crois. Putain, mais je suis nul à ce jeu! Je crois que je l'ai eu. Allez. Putain, c'était caché. Allez, on descend. Juste par rapport au parallèle que j'ai fait tout à l'heure. Je peux m'asseoir sur son visage ou pas? Les gars, perso, c'est la pire vue merde que j'ai jamais vue. C'est vraiment nul. On appelle nul ça à une chier. Vue merde. Une vue merde. On est vraiment à Copacabana du coup. Bah oui. Putain, c'est fou. Mais... Pourquoi t'as un casque? J'ai peur de tomber. Effectivement. Sauf, Maxime est tombé. Cette séquence-là. Il y avait Yvan dessus. Bon, moi, je l'ai vu juste avant, et effectivement, c'est confirmé. T'as un ordre d'idée? Tu as 3 points parce que tu as trouvé dans les 10 secondes, tu as 2 points parce que tu l'as trouvé dans les 2 minutes, et je vais peut-être avoir 1 point. Si tu le trouves. Ça me... Je peux lui marcher dessus à tout moment ou pas? Oui, on dira. Ah merde, excuse-moi. Continue de jouer, amuse-toi, hein, tu rigoles. Oh, mais pardon. T'es une serviette de plage. C'est génial. Il a un petit bout de serviette sur... Oh, j'ai pas vu. Excuse-moi, mais je peux poser cette question qui est peut-être un petit peu intrusive, mais... Ouais. T'es microfibre ou pas? Bah, je sais pas, Tess. Frotte-toi. Oh non. T'es rêche. Pas du tout. Ouais. Super rêche. Et Yvan, quand t'es au magasin, que tu vois le client s'approcher de toi pour t'acheter, tu te dis tous les scénarios sont possibles. Oh oui. En général, quand on s'essuie la teuf, on prend pas cet endroit-là, on prend plutôt le côté. C'est vrai, tu prends pas le centre de la truc et tu fais ça. Personne fait ça. Aïe aïe. J'adore avoir cette conversation avec ta petite serviette. Plaisir. Je peux pas m'empêcher d'imaginer cette scène en vrai sur la plage. C'est meilleur prank. Extrêmement flippant. C'est incroyable. Théoriquement, si je creuse ici, j'ai sa bistouquette. Bon, on va essayer d'enlever ça, attention. On va essayer de pas te mettre du sable dans les yeux. Je ferme les yeux. Hein. C'est encore pire, je crois. Ça me met mal à l'aise, ta cachette. Comment il va? Bon bah, tu peux y aller. Allez, à tout de suite. Hein. Vas-y, disparaît. Voilà, disparaît. À vous. Ça me malaise quand t'es jusque ça, c'est horrible. Comme je comprends pas. Ah, j'ai pas bien. C'est quoi qui te... C'est quoi qui te rend mal à l'aise? Le décor est insane. Il y a pas mal d'éléments et je suis un peu dans la pénombre, donc ça peut traîner. Je pense au lever de rideau et ils vont faire « Mais what ?» Alors, on a vérifié, et en fait, c'est le drapeau du Vatican. Il y a une équipe de foot au Vatican, vous le saviez peut-être pas, voilà. Pardon, mais je sue du front.
Ouais, c'est bon. La cachette d'Étienne. La dernière fois, il était en roi de pique. Oui. Peut-être qu'il va être en valet de trèfle. Ouais, le foufou, trop original. Attends, c'est toujours envie de voir quelque chose en rapport avec l'automobile. Peut-être qu'il l'a fait cette fois-ci. Lui nous a donné un indice en coulisses. Il nous a dit c'est premier degré. Ah ouais, donc c'est ça du coup. Les points, les scores s'affichent actuellement à l'écran. Pas fou là. Pas ouf, on va découvrir ensemble la proposition d'Étienne qui n'est autre qu'un box de F4 du GP Explorer. Allez, on y va. C'est sûr en plus. 3, 2, 1, 10 secondes. Évidemment, wow. évidemment. Oh. Attends, vous avez superposé des voitures dans le hangar. Mais oui. Très, très chiant. Ah, c'est déjà fini là. Oh non, 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 non. Je l'ai. Non. Quoi? Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Oui, merci. Il y avait une Twingo, mais là, c'était... Il y avait une Twingo. Peut-être une Modus. C'est pas pour moi. J'ai regardé tous les réflecteurs, comment on appelle ça, les... Oh là, rétroviseur, vraiment. Rétroviseur, c'est pas lui. Il fait pas en rétroviseur. Moi, j'ai pas regardé grand-chose, en vrai. Est-ce que t'as pu regarder grand-chose? Ah oui, oui, non, mais je vois parfaitement. Ce qui est cool, c'est qu'il peut regarder un film triste, il y a direct la solution. Pendant ces 10 secondes, nous n'avons rien pu déterminer. Absolument pas. Hormis qu'Étienne est effectivement un gros beau. La potentialité qu'Étienne soit un Transformers existe. C'est vrai ? Et dans ce cas-là, je vois pas pourquoi il aurait employé la notion de premier degré. Un Transformers Swingo, tiens, j'avais l'image, ça me faisait un plaisir. Mais il a joué dans le 4. Ah oui, là. Non. Ah non. Si, un pot de fer dedans. Moi, il y a un truc, tu vois, enfin, je sais pas pourquoi, je m'attache peut-être trop aux objets, mais je me dis, tu vois, ces véhicules-là, ils ont une histoire, un propriétaire, des propriétaires. Ouais, et franchement, si toi, dans les commentaires, tu reconnais ta Swingo, est-ce que tu te serais imaginé qu'un jour elle finisse quasiment au Super Bowl, disons-le. On va passer à la deuxième phase de ce camouflage. Nous avons 2 minutes pour trouver Étienne. Il est forcément dans une voiture, non? Ou un bidon d'essence, il y a des bidons d'essence aussi. Ooh. Avec des bras et des jambes. Ooh. Ça m'a... J'ai rien dit. Open the window. Ok. C'est dur. Regardez, là, il y a un interstice, non? Oh, je le vois. Oh, le bâtard. What the fuck? Ah, c'est ça, là? Oh, putain, je suis content. Bah, c'est vrai, tu le vois? Ça m'est jamais arrivé. Incroyable. Bah, je vois pas du tout. J'ai trouvé, je crois. Tu l'as? Mais je suis pas sûr. T'es sûr, toi? Enfin, genre, on est sûr quand on le voit? Ouais, je suis sûr. Ouais, moi, j'imagine un truc, mais je le vois pas. Il y a un monde dans lequel je me trompe, mais je suis presque sûr. Bah, moi aussi, je pense l'avoir, mais... C'est vachement bien, en vrai. C'est évident, mais c'est génial. Mais je pense que je vois une oreille, en fait, mais je suis pas sûr. Moi, je vois un pif. Ah. Ah putain. Ah tu l'as. Ça y est enfin. T'es pas là que tu regardais. Mais en fait je comprends pas en quoi il est. On va tous faire notre petit guess. Siège avant droit de la Twingo. On va pas commencer à... Je pense que c'est ça. Hein. Voilà. Bah, vu que vous dites ça. Il est dans un appui tête. Mais pour moi je pensais que vous le voyez dans le truc où on met l'essence quoi. Ah putain ça aurait été une super idée. Oui, ça aurait été génial. C'est la fin du temps réglementaire. Je vais perdre mais je guess ça moi. Toi tu guesses l'essence. Ouais. Bah parce que je vais pas vous copier, c'est abusé. Mais c'est quand que tu dis t'as vu? C'est toi qui as dit que t'as vu une oreille? Non c'est toi. C'est moi. Tu l'as vu dans l'appui tête aussi. Ouais. Un peu derrière, j'ai l'impression. Du coup, maintenant, je vois ce que vous voulez dire, mais vraiment, je l'avais pas vu, quoi. C'est vrai? Ouais, non, je te jure. Allons vérifier si Étienne se trouve dans la Twingo. Putain, je le voyais bien en appui-tête. J'ai toujours rêvé de faire ça. Oh, tiens, un genou! Oh, putain. Oh non, je crois que j'ai fait une bêtise. Ah! Pour une fois que la prod dit, tu peux y aller. Ouais, c'est vrai. Tu peux tout casser. Elles marcheront plus, celles-là. Bonjour. Donc voici Étienne, il est déguisé en appui-tête. C'est une super cachette, c'est très bien. T'es fait maquiller en appui-tête de Twingo avec les motifs. C'est ton rêve, non? Je suis content, premier degré, je suis devenu une Twingo. Qu'est-ce que ça fait alors? Bah écoute, c'est juste cool. Je me sens utile à la société, pas cher. Il y a une question qui brûle les lèvres de tout le monde là dans les commentaires, c'est est-ce que tu es réglable? Bah normalement oui. Il y a un petit bouton là-bas, allez-y. Ah, donc je suis le siège. Effectivement. Ah oui, d'accord. Ah oui, tu es réglable. Moi, je profite pour poser une autre question. Est-ce que du coup, tu peux faire office de GPS quand tu connais un peu la route? Du coup, ça donne à peu près ça, si on peut reconstituer peut-être la scène. Ah ouais, j'aime pas du tout. Je vais te monter dedans, hein. Tu bouges pas. Ouais, fais gaffe, les potes. Non, ça bouge pas, ça bouge pas. Non, ça bouge pas, c'est solide. Il est mort en bas, il y a les clés. Oui, il y a les clés, mais il y a plus de batterie. Ça pue la vieille bagnole, là. Ah ouais, bah c'est... Oh. En dessous, il y a une Citroën AX. Ouais. Je suis pas sûr que le coffre de toit était universel, là, du coup. Non. Ça te fait du bien, Étienne, quand je fais ça ou pas? Ah oui. Il ressent tout. C'est un peu trop tendu. Gratte-lui la jante, il adore ça. C'était la jante ou pas? C'était la jante. Je pense que là, les gars, on a vraiment relevé le niveau par rapport à la vidéo précédente parce qu'il y avait un monde dans lequel on ne te trouvait pas du tout. Ouais, putain. Je peux voir ma gueule, en fait. Ah, c'est moche, hein. C'est moins traumatisant que les trucs du premier épisode, là. Je vais faire voir. Je la garde pour moi.
Oh mon dieu. Fin de la troisième partie. Une serviette, un ballon, un appui-tête. Voilà du genre de compétences dont je suis entouré. Ah oui, merci. C'est beau, c'était bien. Voilà, va, va sauver le monde, ballon man. Il manque plus que toi, quoi, en fait. Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir être, ah. Quel Avengers tu vas être, ouais. La table de chevet, j'imagine. On passe tout de suite à la dernière cachette, la mienne. Ça va? Ça va. En fait, c'est soit ça passe, soit ça casse. Hein. Soit ça va durer trop de temps, ils vont se dire mais non, c'est pas possible. La fameuse séquence où le patron est pas là. Encore une fois, je le redis, je suis au milieu, mais c'est involontaire, d'accord? Ouais, c'est pas... bon, tu nous as privé juste avant pendant 5 minutes pour que me dire, je suis désolé, je pense que c'est bien. Être au milieu, c'est tout. Une crise. Alors, vous êtes pas trop déçus par la phase 5 de Marvel Universe? C'est vraiment à ça que ça ressemble, la réunion des personnages nuls coupés au montage. Pas gardé, ouais, dans le casting. Ouais. Qu'est-ce qu'on est venu faire, les amis? Je vous propose de chacun dire une phrase de ce qu'on est venu faire. Bah, on va chercher le patron. Ouais, là. Amixem. J'avais demandé une phrase, on a mis un mot. Aïe, aïe, aïe. Vous avez compris, on est sur la game du patron, c'est pour ça qu'on essaye tant bien que mal d'animer, j'ai bien dit tant bien ouais, que mal. On va avoir 10 secondes. On va avoir 10 secondes, effectivement. Ouais, ça, je pense qu'on va être encore dans l'opulence. Ouais. Bah oui, bah, lui, il a globalement notre budget réuni, ouais. Qui est sur son truc. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, une fois, c'est que lui, c'est le seul à qui on dit « Ah non, c'est chaud et tout, au niveau budget. » C'est moi le budget, donc... Putain, c'est ouf, et personne lui dit non dans cette boîte. Tu entends, Maxime? Personne te dit non, il faut qu'on commence à te dire non. On va essayer de le trouver en 10 secondes pour le faire chier. Ah, bon, on fait quoi, 3, 2, 1? Allez, 3, 2, 1. Oh non, oh non, oh, oh bâtard. Non. Ah bah attends, mais 10 secondes du coup, merde, vite, vite, vite. Oh, what the fuck. C'est un tournage. Ah, je l'ai entendu. Stop, stop, c'est fini, stop, c'est fini, stop, c'est stop, fini. Stop. Mais il est fort, putain. Attends, attends, j'ai pas eu le temps de voir. Il a reproduit des gens de nous. Bah, il y a moi, en tout cas. Ah, il y a toi. Allez, allez, c'est nous. Ah, j'ai pas eu le temps de voir. On peut regarder deux secondes. Non, bah non, bah non, non, non. J'ai reconnu le décor. C'est un objet Insta. C'est objet Insta, exactement. Ah ouais. Mais j'ai rien reconnu du tout. Il y a nos trois sosies, je crois. T'as capté que c'est là qu'il fallait regarder et pas là. Oui, c'est le seul truc que j'ai vu, je crois. Et je crois que ton sosie à toi, c'est une meuf, je crois. Mais je suis pas sûr. Ah, j'ai vu une blonde, c'est vrai. Ouais, je crois. La production, mais, on peut regarder. On va avoir deux minutes pour regarder. Ah, mais attends, mais j'ai hâte. Hein. On peut pas trouver juste avec ça. Ou alors il est déguisé en un de nous. Genre, il y a quelqu'un qui est à la place de Maxime et lui il est déguisé en un de nous. Ah, ce serait bien. Bon, allez, bah let's go. Hein. On y retourne? On peut y retourner. 3, allez. 2, 1, go. Ah, je vois Thomas. Moi, pour moi, je l'ai trouvé. Ok. Je l'ai complètement. Ok. Tu l'as? Ouais, c'est. Vas-y, fais voir. Bah, je pense que. Je pense que c'est la même chose, hein. Ah non, c'est pas le même angle. Bah, j'ai une idée, mais. Bah, du coup, moi. Ah, bah oui, c'est bon. Oui, c'est évident. Ah, quoi? Ouais, j'ai une idée, c'est bon. Je regarde d'ici, mais. Genre, je me fais maquiller sur les tournages. C'est vrai? Je suis en train de me faire maquiller. C'est quoi cette histoire, là? Mais moi, j'ai. Ah, il joue bien, c'est con! Putain, il est plus drôle que moi, fais chier! Allez, bonne fin de tournage, messieurs, j'ai réalisé le rêve de ma vie. Là, c'est un objet Insta 2. Mais les je vois rien, moi, hein, c'est fou! Ah, c'est drôle, bah, c'est bon, j'en ai, moi. Enfin, je sais pas, j'en ai même si, chose. Si, mais... c'est sûr. Ouais, ouais, voilà. Ouais, les cas. Ouais, mais il est pas dans le décor, hein! Voilà, il est dans le déni, c'est pas possible! On dit rien. On dit rien, mais on est d'accord avec. Ah, j'ai envie de revoir un peu. Oui, c'est vrai que c'est drôle. Je vois toujours rien. C'est tellement évident. Oh ta gueule. Je prends. Moi j'adore que tu l'aies pas vu, en tout cas. Quoi? Oui, c'est marrant que tu l'aies pas vu. Et moi j'ai qu'un... Ah, attends. Non, bah non, 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 c'est pas la balle ronde. J'ai juste un guess, mais c'est basé sur rien du tout. Commence parce que nous on est sûr de notre coup. Ouais. C'est un cadreur, mais j'en sais rien. D'accord, ok. C'est pas bon, un cadreur. C'est pas ça, du coup j'imagine. Non, c'est pas ça, non. Ouais. Nous on. Ah, mais on dit pas. Bon, ça va toi. Moi j'ai reconnu ses mains qui m'ont ah ouais tant touché. Je les reconnaîtrais entre mille, c'est paluches. Je n'en dirai pas plus, mais ouais. Hey, il est dans le public là. Ouais, je crois. Donc on peut rentrer dans le décor ou pas? Bah oui, mais qu'est-ce qu'on fait? On a une hache? Comment ça se passe? J'adore. C'est shiny. Violence. Coucou. Allez. Allez, c'est parti. Bah oui, évidemment. Ah mais mec, j'avais pas capté qu'il y avait des cadreurs, moi. Quoi? Mais comment c'est possible que t'es... Les cadreurs, c'est pas ceux qui étaient sur ta plage tout à l'heure? Ah oui, non mais ok, non mais j'ai la carrure du coup, mais Bah oui, t'as vu, c'est marrant comme on peut pas le louper. Ah oui! Oh non, il t'a pas maquillé! Bah non, je suis con, mais je suis débile, vraiment. Si, je me suis fait maquiller le dos. T'as des super beaux cheveux, hein. Je vous présente vos nouveaux remplaçants. C'était un peu délicat de vous le dire. Ils sont gauleries de fou. Salut Thomas.
Enchanté. Donc Thomas. Salut Thomas, ça va? Ah putain, oh il est bien, il est bien. Troisième du GP Explorer. Elles t'ont trahi. Putain, j'en étais sûr. Je me suis dit, j'ai tellement des mains de bûcheron. C'est des heures de ça. Moi j'ai vraiment vu, regarde, j'ai vraiment vu ça moi qui a dépassé. Ah mais moi j'ai rien vu du tout. Hein. Pourquoi les cadreurs, on dirait une équipe de films porno? Oh pardon. Genre qui a des lunettes de soleil comme ça? Oh putain. Je me suis dit, ça va vous faire perdre du temps de les observer. Ouais. Ah, c'est une bonne idée, bravo. Bon, bah, messieurs, dames. Ça te va super bien. Merci. Mais vraiment, je reste comme ça. Mec, franchement, mais on m'a regardé tellement différemment depuis que je suis comme ça. Ça doit être trop cool d'être dans ta vie. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je suis Amixem et voici les gens du crew. Ils sont vraiment super, surtout Yvan, quel bel homme. Thomas, hein? Thomas, vas-y, double-moi, Thomas. Je suis en tournée dans toute la France. Qui a nous joué avec son spectacle, lui. Pardon. Yvan, tu veux me faire dire un truc? C'est bien, hein? Ouais. J'aime la photographie. Etienne, tu veux continuer là, trop? Oui, bah écoute, téléchargez Europe dans la description. C'est une gourde. Ah, pardon. Achetez Europe, c'est bien. Le code AmixemUp vous procurera moins 10%. Au revoir les potes, c'est la fin de la vidéo, vous êtes super. Au revoir les potes. T'as pas dit ça. C'est le fait que je contrôle un gars à distance, je suis perdu quoi. Tu deviens hyper ringue.